La sinusite est une inflammation des sinus paranasaux qui est le produit d'une infection causée par un virus, une bactérie ou un champignon. Les sinus paranasaux sont des espaces creux, par lesquels circule l'air, qui sont localisés au niveau du front, des narines, des pommettes et des yeux. Lorsqu'une personne a des sinus paranasaux, elle ne souffre pas fréquemment de sinusite, car elle ne porte pas en elle les bactéries et micro-organismes responsables de cette pathologie. A l'inverse, lorsque ces cavités sont bloquées par une accumulation de mucosité, les bactéries et autres micro-organismes ont un environnement parfait pour se multiplier, ce qui génère des douleurs et des inflammations. Dans quelles conditions peut se manifester une sinusite? Comme nous vous l'avons déjà expliqué, la sinusite peut se produire à cause d'une obstruction des sinus paranasaux, dans lesquels peuvent alors se développer des virus et des bactéries. Cela peut également se produire lorsque les sinus paranasaux ne parviennent pas à suffisamment évacuer les mucosités, à cause de différentes affections. Découvrez cet article, comment traiter naturellement la sinusite? La cavité des sinus paranasaux peut être bloquée par la production excessive de mucosité, qui se produit lorsqu'une personne souffre régulièrement de rhume ou d'allergie. Les sinus paranasaux peuvent également être obstrués par une cloison nasale déviée, un éperon osseux nasal ou des polypes nasaux. Les facteurs de risque qui augmentent le risque de souffrir de sinusite: souffrir de rhinite allergique ou de rhume, des foins, présence de maladies qui empêchent le fonctionnement correct des cils, tabagisme, changement brusque d'altitude, comme lors d'un vol en avion ou lors d'une plongée sous-marine, fibrose kystique, faiblesse du système immunitaire, conséquences du VIH ou de la chimiothérapie, fréquentation de crèches, anomalie de l'os facial, diabète. Quels sont les symptômes de la sinusite? Lorsque la sinusite est aiguë, elle peut durer au moins 4 semaines et être le produit d'un rhume qui ne guérit pas, et qui empire après une période de 5 à 7 jours. Dans le cas des sinusites chroniques, il est important de consulter un médecin car le gonflement et l'inflammation des sinus paranasaux peut durer jusqu'à 3 mois. Parmi les symptômes les plus fréquents de la sinusite, on retrouve mauvaise haleine ou perte du sens de l'odorat, mal-être et fatigue générale, tout, surtout la nuit, fièvre, maux de tête, congestion et sécrétion nasale, maux de gorge et écoulement rétro-nasal, migraine, sensibilité facialisée également. 5 remèdes maison pour calmer les douleurs de mâchoire, des traitements naturels pour guérir la sinusite en 5 jours. L'un des symptômes les plus fréquents parmi les personnes qui souffrent de sinusite est le mal de tête continu, qui se concentre au-dessus du nez ou en dessous des paupières. Il existe de nombreux types d'analgésiques qui peuvent soulager ce symptôme, mais ils ne sont pas tous efficaces. Pour cette raison, nous allons vous donner un traitement naturel qui utilise un ingrédient aux propriétés idéales pour atténuer la sinusite, et plus particulièrement les maux de tête. Comment préparer ce traitement naturel? Pour réaliser ce traitement naturel, vous allez avoir besoin d'un radis piquant et d'une bonne quantité de vinaigre de pomme. Vous devez mettre le radis dans un récipient en verre, puis verser le vinaigre par-dessus. Laissez macérer pendant 10 jours à température ambiante, et agiter de temps à autre. Lorsque vous avez passé ce laps de temps, ouvrez le récipient puis inhalez fortement l'odeur qui s'en dégage pendant 5 minutes. Pendant la soirée qui suit, plongez un linge dans le liquide, et mettez-le sur votre front pour soulager les maux de tête. Ce traitement doit se réaliser durant 5 jours consécutifs pour être efficace, et réduire considérablement les symptômes de la sinusite. Une autre option, plus simple et plus rapide, consiste à mettre à bouillir un peu d'eau avec un radis râpé, et de réaliser une inhalation une fois que le mélange a bien cuit. Pour cela, versez l'eau dans un récipient, couvrez-vous la tête avec une serviette, et respirez profondément pendant plusieurs minutes. Cette inhalation vous aidera à ressentir une sensation de soulagement immédiat. Que devez-vous éviter si vous souffrez d'une infection des sinus? Si vous souffrez de sinusite, évitez de voyager en avion, ne vous soumettez pas à des températures extrêmes, froides ou chaudes, et surtout, évitez les mauvaises habitudes comme le tabagisme. Il est également recommandé d'être vacciné contre la grippe, de bien se laver les mains lorsque c'est nécessaire, et d'éviter de consommer des antibiotiques qui n'ont pas été prescrits par le médecin. Remède maison pour la congestion des sinus. La congestion des sinus paranasaux peut être provoquée par un grand nombre de facteurs,
environnementaux et de santé, rhume, infection, allergie. Lire plus Let's Block ADS.